pêcheurs acharnés, porteurs à l'embarcation qu'il vous faut. Allons, tout va bien. Je viens de la part du Dr. White. Il est temps que la campagne contre lui cesse au plus vite. Qui vend les brochures qui l'accusent ? Je suis bien de votre avis. C'est le Dr. White qui a guéri ma jambe. Elle est comme neuve. Les pamphlets sont distribués par quelques vendeurs de rue à Boston. Quelqu'un ? Marchandises en gros sont disponibles. Pas beaucoup, mais merci quand même. Où est l'homme qui imprime ces brochures? Écoutez, monsieur, il y a quelqu'un qui me paie pour distribuer ces papiers. Et tant qu'il le fera, je continuerai à le faire. Le révérend Julius Foster a été invité à célébrer l'office à Sainte-Marie ce dimanche. Il profite de tout présent.
Merci. J'aimerais savoir si vous avez reçu un paquet de France adressé à Lance O'Donnell. Son apprenti a signé le registre et l'a emporté il y a quelques jours. Patrick O'Hara. Patrick O'Hara est l'ancien apprenti de Monsieur O'Donnell. Sauriez-vous par hasard où le trouver ? Bien sûr. Cela fait plusieurs jours qu'il traîne sur les quais. Vous devriez le trouver là-bas. Tiens, prends ces papiers et cache-les. Ne laisse pas cet homme mettre la main dessus. Ne le laissez pas s'enfuir.
J'étais plan. À quoi servent-ils? Tu les as! Ça, Connor, c'est un modèle de siège pliant. Une idée de génie, tu vas voir. Connor, tu tombes bien. J'allais justement commencer quelque chose qui pourrait t'intéresser. Qu'est-ce que c'est? Les plans que tu m'as rapportés. Ils en valaient la peine, tu peux me croire. Un siège pliant. Je ne te suis pas. C'est un siège qui se plie, Connor. On peut les replier et les empiler. Les stocker, les transporter. Je pourrais en caser plus de 1000 dans ma remise. C'est une idée de génie qui fera de moi un homme riche. Un siège pliant. Eh bien, je te souhaite le succès. Tu verras, Connor, tu verras. Il ne se passe pas un jour sans que l'un des garçons se fasse mal. La présence du docteur est un véritable soulagement pour moi. Je te comprends bien. Maria passe sa vie à se promener partout. Hier, Norris l'a trouvée dans sa mine avec une belle entaille au genou. Oh, cette gamine! Il semble que vos journées soient bien remplies. Tu peux le dire. L'arrivée du docteur nous a rendu un fier service, Connor. Merci de l'avoir trouvé et de l'avoir amené ici. C'est pour vous qu'il est venu. Je n'ai fait que transmettre le message. Ne perdrez pas votre jambe, je peux vous l'assurer. Connor, je n'ai pas assez de bras pour m'occuper de tous ces patients. Il me faut de l'aide. Vite, n'importe qui. Je crois pouvoir vous trouver quelqu'un. Diana, viens avec moi. J'ai besoin de ton aide.